Yop yop, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo consacrée aux règles du théâtre classique. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Oh, vous verrez, ça va aller. On va remonter dans le temps pour retrouver l'origine de ces règles, on va retracer ensemble leur parcours et enfin faire un petit récapitulatif de l'ensemble de la notion. Allez, c'est parti, à toi Jérémy. Retour vers le passé. D'abord, il faut savoir que le théâtre classique, c'est avant tout une appellation pour désigner le théâtre de la seconde moitié du XVIIe siècle. En tout cas, en France. Durant le XVIe siècle et la première partie du XVIIe siècle, le théâtre était appelé le théâtre baroque, qu'on retrouve ailleurs en Europe. Il faut ajouter que le théâtre classique hérite des sujets du théâtre antique, mais également des règles qui étaient déjà présentes dans ce théâtre. C'est rien, c'est du codé. Je trouve pas la traduction. À présent, voyons plus en détail le théâtre antique. C'est un théâtre qui émerge environ 5 siècles avant Jésus-Christ. Un théâtre extérieur pouvant accueillir des milliers de spectateurs, un jeu masqué et essentiellement chanté, et dont les règles que nous avons vues précédemment font partie intégrante de ce théâtre. La règle des trois unités, un lieu, un temps, une action, mais également et surtout la bienséance. Il ne faut en aucun cas choquer, heurter la sensibilité des spectateurs. Car, et c'est peut-être le point qu'il faut retenir sur ce théâtre, c'est la visée morale. Le théâtre fait partie intégrante de la cité, on est obligé d'assister aux représentations, qu'on soit riche ou pauvre. On est au-delà du simple divertissement, le théâtre est là pour éduquer, on apprend par le théâtre. Bref, on va au théâtre comme on irait dans un cours d'éducation morale et civique, et les règles servent cette morale. On retient trois grands auteurs tragiques de cette époque, d'abord Eschyle, ensuite Sophocle et enfin Euripide. 2000 years later. On arrive à présent entre le 16e siècle et la première moitié du 17e. Ce n'est pas que l'histoire du théâtre se soit arrêtée pendant 20 siècles. Non ! C'est avant tout qu'à cette époque apparaît une nouvelle forme théâtrale qu'on appelle la tragicomédie qui se veut, mais alors complètement en rupture avec les règles du théâtre antique. Elle apparaît au moment où la société, le spectateur en général s'est dit « Y'en a marre de la morale, de toutes ces règles qui gâchent ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le plaisir. » Pourquoi ces règles ? Au contraire, brisons ce cadre qui limite l'imaginaire du spectateur. Mettons de l'action à gogo, des lieux à foison, changeons de pays, traversons des tempêtes, combattons des armées, invoquons des spectres. Mais il est fou, hein. Ah, c'était la liberté. La liberté totale, le plaisir, rien que le plaisir. Mais le problème est que ne plus avoir de cadre, c'est ne plus avoir de limite. Alors c'est à la fois très satisfaisant, très plaisant, mais on peut se perdre en route. Et ne plus savoir où on va, et c'est le risque au théâtre, c'est ne plus comprendre ce qu'on regarde, c'est ne plus comprendre la pièce. Et dans ma tête, ça donnerait ça. YOLO ! C'est pas ce qu'on peut rêver de mieux. En ce qui concerne les auteurs, nous avons Calderón en Espagne, le grand Shakespeare pour les Anglais. Ah oui, au fait, navré jeune gens, Shakespeare ne ressemblait pas à ça. En fait, c'était plutôt... On vous a menti. Hello, darkness, my old friend. Et bien sûr, nous aussi, nous avons notre chauve national, Corneille. Théo, c'est pas fini. Et puis, au milieu du XVIIe siècle, il y a une sorte de querelle qui éclate entre d'un côté ceux qui voulaient conserver cette tragicomédie, ce plaisir comme maître mot, et ceux qui, de l'autre côté, pensent que le plaisir pour le plaisir, il manque quelque chose. On a perdu ce théâtre qu'on avait auparavant, cette visée morale qui unissait et qui éduquait, et qu'on ne retrouve pas dans la tragicomédie puisque justement il n'y a que le plaisir. Et puis un jour, voilà-t-il pas qu'un petit malin est arrivé et qui s'est dit « Tiens, si on gardait le côté moral du théâtre antique sans l'ennui, et qu'on gardait le plaisir de la tragicomédie sans les incompréhensions, qu'est-ce que ça donnerait si on mélangeait ces deux choses ?» Voilà une question qu'elle est bonne. Et voilà, le théâtre classique est né. Bon, en réalité c'est un peu plus complexe, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a bien cette idée de combiner les deux choses, à la fois la morale du théâtre antique tout en enlevant l'ennui, et en remplaçant ceci par le plaisir de la tragicomédie. Garder ce qui fonctionne dans les deux pour créer un théâtre le plus parfait possible. Et surtout de rendre l'illusion la plus parfaite possible, faire en sorte que le spectateur croit absolument en tout ce qu'il voit. C'est pas con, hein ?
Pour les auteurs de ce courant classique, nous avons essentiellement deux grands auteurs. Molière pour la comédie, Racine pour la tragédie. On pourrait également dire Corneille, mais Corneille c'est un peu plus compliqué puisque Corneille apparaît vraiment à la fin du théâtre baroque et au début du théâtre classique, alors entre les deux, son cœur balance. Ça va jusque là, vous suivez ? Ok, on va essayer de récapituler un peu tout ça. On commence avec le théâtre antique, je le rappelle, 5e siècle avant Jésus-Christ, un jeu masqué et chanté, et bien sûr, déjà la présence de règles des trois unités, la bienséance et également la vraisemblance qui sont déjà imposées dans ce théâtre. Bien sûr, le but, l'objectif final de ce théâtre, c'est la visée morale, on éduque par le théâtre. Et le dernier grand auteur tragique de cette époque, c'est Euripide. Et puis les siècles passent et le théâtre antique a perdu de sa superbe. On ne conçoit plus le théâtre comme un lieu éducatif, mais avant tout comme un lieu de divertissement. Et arrivé au 16e siècle, c'est la chute totale de nos auteurs antiques et place au théâtre baroque. Ça va laisser une marque. On oublie totalement la visée morale, on ne garde que le plaisir. On cherche à représenter le maximum de péripéties, les actions s'enchaînent, les personnages sont multiples, les lieux sont divers. Bref, on est très proche de la représentation d'un roman d'aventure. Alors Corneille, il a du mal à se plier aux nouvelles règles en vigueur. Lui, il a vraiment envie d'écrire sans s'encombrer de limites de temps, de lieux, etc. Lorsqu'il écrit le Cid ou encore l'illusion comique, eh ben il se permet des libertés. Si bien qu'il semblerait que l'action se déroule selon plusieurs lieux et surtout pendant plus de 24 heures. Ouais, Corneille, il est comme ça, c'est un rebelle. Passons. Le problème, c'est que ni le théâtre antique ni le théâtre baroque n'arrivent à satisfaire pleinement la critique. Alors il a bien fallu trouver une solution, puisque d'un côté, la visée morale, les chants, le cœur, tout ça ne satisfait pas, et de l'autre côté, le plaisir ne satisfait pas totalement non plus, il manque quelque chose. Et la solution, ce sera le théâtre classique, qui apparaît à la seconde moitié du XVIIe siècle. Et qui est en quelque sorte un mélange entre le trop-plein de tragicomédie et la nostalgie d'un théâtre passé du théâtre antique. C'est le mélange entre le plaisir de la tragicomédie et la visée morale du théâtre antique. Et l'auteur de tragédie classique par excellence, là, c'est bien sûr Racine, indétrônable. Alors lui, premier de la classe, il a très bien compris les règles du théâtre classique et les intègre parfaitement dans ses pièces. Faisons un rapide récapitulatif de tout ce que nous avons vu. Premièrement, le théâtre antique avec son jeu masqué, ses chants, ses règles et bien sûr sa visée morale. Ensuite, le théâtre baroque avec ses intrigues dignes d'un roman d'aventure, son absence de règles et bien sûr sa recherche du plaisir. Et enfin, le théâtre classique qui est en quelque sorte une hybridation, un produit du théâtre antique et du théâtre baroque. Un subtil mélange entre règles strictes et plaisir d'essence par le divertissement. La quête de l'illusion garantissant le plaisir d'essence et l'éducation à la morale. Bref, un super combo. Bien évidemment, petit rappel sur les règles du théâtre classique, la règle des trois unités, un lieu, un temps, une action, la règle de la bienséance et de la vraisemblance. Bien sûr, tout ceci dans le but de garantir l'illusion que tout ce que voit le spectateur est vrai, afin de garantir un maximum son plaisir. Wow. Un plaisir qui est rendu possible en quelque sorte par le respect de ces règles. Petit moyen mémotechnique pour se souvenir de la règle des trois unités, je vous le lis. Attention, je vais essayer d'y mettre de la conviction. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. J'en ai peut-être fait un peu trop là. Bref, vous avez compris. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors... Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Et avec elle s'achève le sujet sur les règles du théâtre classique. J'espère que ce petit voyage temporel vous aura plu, et qu'il ne vous aura pas trop donné de coups de jus, on va dire. Ouais. On va se laisser un peu de temps pour recharger les batteries, hein. Et on se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Mais je vous préviens tout de suite. Je reviendrai.